del trabajo de la mañana, la sesión número 3, que es de 1960 hasta nuestros días y que, como bien pueden imaginarse, implica el fortalecimiento de la colaboración europea. A continuación, cedo la palabra a Pierre Guillat, de la Universidad de Lyon 2. Je dois dire d'abord que pour moi, c'est aussi un anniversaire personnel parce qu'il y a 50 ans, donc un demi-siècle, je prenais contact avec la Casa Velázquez puisque j'ai été membre de la Casa de Velázquez entre 67 et 69, 1967 et 1969. Donc il y a 50 ans que je venais pour la première fois dans ces lieux. Donc pour moi c'est un peu émouvant de me retrouver là pour parler, alors finalement pour parler des vivants plus que des morts, puisque les gens dont je parlerai, dont moi, bougent encore un peu et sont pas totalement sortis hors d'usage. Voilà, bon, je voulais commencer simplement comme ça, dire aussi que du coup, j'ai eu beaucoup de peine à essayer d'organiser quelque chose qui ne soit pas trop personnel, ça l'est forcément un peu, qui soit le plus objectif que je pouvais, et qui tienne compte d'un nombre de paramètres considérables que je ne suis pas sûr d'être toujours bien parvenu à organiser comme ça serait souhaitable. Heureusement, on a ici Patrice Cressier, qui est plus jeune que moi, sans être de toute première jeunesse, mais qui a donc une expérience aussi, c'est ce que je voulais dire, ce n'était pas du tout pour insister sur son âge, qui est tout de même assez inférieur au mien, et pour dire qu'il n'hésite pas, enfin tu n'hésites pas à m'interrompre ou à en tout cas intervenir après, parce qu'il y a des aspects comme justement, celui qui nous retient ici, dont il serait peut-être souhaitable de parler plus que je le ferais, et tu en es peut-être plus capable que moi, c'est l'aspect, disons, coopération franco-espagnole ou coopération internationale. Parce que moi, c'est un aspect que j'ai peut-être moins vu dans ma fréquentation, puisque mon travail est ce début de l'archéologie islamique, d'une archéologie islamique, ce renouveau de d'une archéologie islamique qui n'est pas toute l'archéologie islamique, c'est-à-dire plutôt une archéologie, disons, rurale finalement, une archéologie de sites qu'on n'avait pas tellement étudié avant. Il faudrait la définir par rapport à une grande tradition d'archéologie espagnole, urbaine, monumentale, à laquelle ont participé de grands archéologues, architectes, archéologues espagnols comme Leopoldo Torres Balbas, et à laquelle ont participé aussi des savants, des chercheurs allemands comme Christian Evert par exemple. Ça, je vais le laisser un peu de côté, j'avais prévu d'en parler davantage, mais on pourra y revenir éventuellement. Dans la discussion où c'est des choses qui sont peut-être davantage présentes à ceux qui sont dans cette salle ou à certains de ceux qui sont dans cette salle. Alors, moi, je suis donc venu à... Je vais commencer un peu par moi. Je parlerai ensuite plus de la Casa que de moi. Et puis, j'essaierai de développer un peu les aspects concernant les collaborations ou les articulations entre les recherches qui ont été faites à la Casa et les recherches espagnoles. Mais là, il y aurait beaucoup plus à dire et c'est un aspect que je développerai sûrement pas autant qu'il mériterait de l'être. Alors, j'étais venu en Espagne pour faire une thèse qui n'avait rien d'archéologique, absolument rien d'archéologique, qui était une thèse dont le sujet m'avait été proposé par Philippe Wolff, professeur à Toulouse, et qui était en gros d'essayer de comprendre ce qui s'était passé à Valence avec la Reconquête, comment ce qui avait changé, comment la société, les structures d'ensemble politico-social de Valence avaient changé avec la Reconquête qui a lieu à Valence en 1238. Alors la plus grande partie de mon temps, j'ai fait 2 ans à ce moment-là à la Casa, j'ai eu la chance de faire une troisième année
10 ans plus tard, en 78, la plus grande partie donc, de mon temps, je l'ai passé à Barcelone, sur les archives de la Couronne d'Aragon, absolument rien à voir avec l'archéologie. Et puis c'est dans mes derniers mois que j'ai passé à Valence, que je n'ai pas trouvé à Valence rien qui me pousse vers l'archéologie. J'ai été très bien reçu aimablement par le catedratico de Valence, qui était Antonio Ubieto, lui-même, on n'a jamais, je crois, parlé d'archéologie, ou si on en a parlé, peut-être, quand j'ai peut-être commencé à me poser quelques questions, je me souviens qu'il traitait les archéologues de pucherologos et qu'il n'avait pas à l'égard des archéologues beaucoup d'estime. En tout cas, c'était plutôt sur un ton un peu moqueur qu'il en parlait. Et ce n'était pas des archéologues médiévistes, puisqu'il n'y en avait pas à Valence, en tout cas, à ce moment-là. Donc, il n'y avait pas d'archéologie du tout, d'archéologie ni d'aucune sorte, ni monumentale, puisqu'à Valence, il n'y a pas de monuments arabes, ou ceux qui existent, ils ont été retrouvés par l'archéologie, mais très postérieurement. Il n'y avait aucune raison de faire de l'archéologie. Alors moi, j'en ai tout de même trouvé une, enfin, j'en cherchais pas spécialement, mais ça m'est un peu venu, à la suite de la parution en France du gros livre paru en 1965 à l'EHESS, enfin à l'EPHE, qui s'intitulait « Village déserté et histoire économique », dans lequel il y avait un article intéressant de Nicolas Cabriana, qui n'était pas archéologique, je crois, du tout, si je me souviens bien, je n'ai pas revu ça, mais qui parlait de l'intérêt des villages désertés pour la connaissance de la société en Espagne, à des époques qui d'ailleurs étaient plutôt postérieures au Moyen-Âge, si je me souviens bien, je ne suis pas allé revérifier. Alors j'ai eu l'idée, avec ayant une vague impression que c'était quelque chose qui pouvait m'apporter pour travailler à ma thèse, j'ai eu l'idée de prendre pied un peu dans l'archéologie, bien que je n'ai eu encore une fois aucune formation ni expérience, et j'ai un peu cherché, et puis j'ai eu l'intention de tenter une fouille entre guillemets, parce que je ne savais même pas bien ce que c'était qu'une fouille, ni comment ça se faisait, ni ce qu'il fallait faire pour la faire, en me disant qu'avant de quitter l'Espagne pour aller à Toulouse, pour prendre un poste d'assistant à Toulouse, ça pouvait être intéressant de prendre un pied un peu, de savoir ce qu'il faudrait faire et puis comment. Et alors là, j'ai eu une chance qui, sur le moment, n'a pas été peut-être déterminante, si, ça l'a été un peu, mais n'a pas eu de suite, véritablement, mais m'a permis de connaître Juan Sosaya, puisque j'avais un peu essayé de demander qu'on m'envoie un inspecteur compétent, puisque le fouilleur directeur de la fouille n'était pas compétent. J'avais un peu essayé de demander par l'intermédiaire, alors je ne sais pas si ça a joué à ce moment-là, là je me souviens avec quand même pas mal d'émotion de l'appui que j'ai trouvé à Valence auprès de Domingo Fletcher, qui était directeur du musée de préhistoire, qui était responsable de la circonscription de Valence archéologique, et qui m'a reçu. Alors lui, Ubieto m'avait très bien reçu, gentiment et tout, mais aucun intérêt pour l'archéologie. Lui, au contraire, il a, plus que peut-être que je ne l'ai dit d'autres fois, je m'en rends compte en y revenant, il m'a vraiment aidé. Il m'a aidé à plusieurs reprises, pas pour choisir un site, ni puisque là, il était préhistorien et c'était pas sa tasse de thé, mais pour des démarches administratives en particulier. Je ne sais pas si c'est lui qui est intervenu pour qu'on m'envoie un inspecteur qui était aussi médiéviste, mais en tout cas, j'ai vu débarquer Juan Sosaya, que je ne connaissais pas du tout, et qui ne me connaissait pas non plus, qui sortait tout juste du musée de Soria, où il venait d'être nommé responsable du musée de Soria, conservateur du musée de Soria, et il est arrivé en 4L, si je me souviens bien, et il a débarqué, et avec sa faconde et sa personnalité très, très, à la fois extrêmement sympathique, extrêmement... On a fait 8 jours de fouilles. Alors, la CASA est évidemment aussi intervenue, a financé cette fouille. Et je crois pas me tromper, il faudrait peut-être le vérifier pour avoir une assurance, que c'est la première fouille d'un village d'époque musulmane qui a été faite en Espagne. Sauf peut-être, j'y reviendrai peut-être un tout petit peu,
des choses qui ont été faites au Balear par Guillem Rosselló Bordoy, mais je crois que c'est la première fouille, enfin fouille, là aussi c'est un bien grand mot, donc on a fait une tranchée, voilà, sur un site qui était à la périphérie de... Alors il faut que j'avance par où. Voilà, sur un site que vous voyez ici, sur la bordure de la Huerta de Valence, à Bétera, donc au nord de Valence, au nord-ouest de Valence, le site de Torre Bufilla, qui était une ancienne caria, une ancienne alqueria, mais caria et alqueria, ce n'est pas la même chose, sémantiquement, en zone déjà de ces canaux, à la périphérie de la Huerta. Donc on a fait une fouille. Les photos que vous avez là, c'est des photos de fouilles ultérieures, c'est les photos des fouilles qu'ensuite on fera avec Bazana. Puis une des céramiques trouvées, qui est une céramique de Paterna du XIIIe ou du XIVe siècle. Voilà, simplement pour évoquer ça, cette tentative donc faite à Torre Bufilla. Le mémoire n'a pas été publié parce que la commissariat m'avait dit ben, « vous continuerez ». Moi, j'avais l'intention de continuer, c'est une première expérience. Et donc, le mémoire que j'ai toujours est à disposition, qui voudrait le voir, ça apporterait probablement pas grand-chose, mais avec pas mal de photos, n'a pas été publié. Et la publication, les publications, ça a été fait en collaboration un peu avec Bazana, et on a fait une seule publication après la campagne de 1974, qui est parue en 1976, dans les publications de la commissariat, et honnêtement, c'est pas très bon. Hein. C'est sous mon nom, donc je peux dire que c'est pas bon. Je crois que ça ne donne pas une idée très satisfaisante de la richesse d'un site qui a été abandonné au XIVe siècle et qui aurait mérité beaucoup mieux que ce que nous y avons fait avec André Bazana et que ce qu'ensuite, ce qui sera fait ensuite par Pedro López Elum après nous. Mais je ne jette la pierre à personne, ni à nous, ni à lui. On a fait ce qu'on pouvait avec les moyens qu'on avait. Ce qui a fait que j'ai continué, je crois que je n'aurais pas continué parce que je n'aurais pas été capable, compétent et je n'aurais pas eu la disponibilité suffisante, mais c'est mes rapports avec André Bazana. André Bazana, je l'avais... Donc la fouille de 69, elle a été faite avec Sosaya. Et puis ensuite, en 72, on en avait parlé avec André Bazana, qui était même venu nous voir, mais pas à Valence, à Barcelone, je crois. Je lui avais dit que ça m'intéresserait de faire de l'archéologie. Or, André Bazana, il était professeur à l'école normale de de Bourg-en-Bresse, et il avait organisé une équipe. Il voulait se former vraiment à l'archéologie. Il avait organisé une équipe d'étudiants avec laquelle il faisait des fouilles. Et on avait envisagé dès 69, mais ça n'a pu se concrétiser qu'en 72, de continuer cette fouille avec son équipe. Alors ça a été assez folklorique. Sous la tente et dans des conditions un petit peu spartiates. C'était plein de scorpions en particulier autour. Mais bon, on a survécu. Et on a fait 3 années de fouilles, 72, 73, 74. Je crois qu'on était un peu dépassé par le projet parce que, venant de l'extérieur, on n'avait pas le moyen de faire quelque chose de vraiment très sérieux. On a complété la fouille, trouvé une stratigraphie, enfin, des éléments de stratigraphie, mais bon, Bazana apportait une compétence que moi je n'avais pas, et ça nous a permis de continuer pendant un certain temps. Je crois que la fouille de 72, par exemple, ce que j'ai noté dans le mémoire que j'avais remis à ce moment-là et qui a été publié, c'est qu'il y avait un financement de l'Université de Toulouse. Et je n'ai pas marqué qu'il y a eu un financement de la CASA à ce moment-là. Mais bon, c'était toujours quand même appuyé. J'avais eu aussi l'appui de Poncich qui nous donnait, Poncich qu'on dit, je crois plutôt, qui nous a aussi aidés dans les rapports avec la commissariat pour les autorisations. Hein. Mais en 74, à partir de 74, même déjà un peu avant, dans ces campagnes d'été, avec des étudiants venaient surtout de l'école normale, puis quelques étudiants lyonnais aussi, on a changé un peu notre fusil d'épaule et on s'est réorienté vers plutôt des prospections.
Alors, ces prospections nécessitaient deux choses. Une autorisation de prospection, et là, ça a été la croix et la bannière. J'ai eu des correspondances, j'en ai encore des frissons quand j'y pense, avec la commissariat qui ne comprenait pas ce qu'on voulait faire et qui ne nous donnait pas aucune autorisation. Et finalement, il a fallu un voyage à Madrid avec de moi, avec une lettre de Domingo Fletcher, lui demandant, en lui expliquant un peu plus, lui demandant, lui disant qu'il garantissait, je ne sais pas. Et là, en une heure, enfin, passé dans le bureau de même pas une heure, un quart d'heure, auprès de Juan Maluquer, qui était directeur de la commissariat, je suis ressorti avec une autorisation que j'ai là. Voilà. Ça, donc, j'ai toujours cette autorisation qui demandait aux autorités, à la garde civile en particulier, de nous aider, etc. Et ça, ça a été vraiment un sésame, parce qu'autrement, ce n'était pas possible de faire quoi que ce soit. On avait tout de suite la garde civile sur le dos. Et là, elle était très gentille, la garde civile, et tout allait très bien. Donc, il y avait ça, et ça, on l'a eu. Et puis, il y avait... la nécessité de trouver des contacts. Hein. Et là, on a eu beaucoup de... C'est des amitiés locales. Hein. J'avais commencé à prospecter, à essayer de voir. Et là, il faudrait citer des tas de gens qui nous ont aidés, qui ont... ça aussi, c'est avec l'amitié, au fond, et l'aide de Domingo Fletcher, c'est ça qui nous a permis d'avancer. Pour ne donner qu'un exemple, j'avance ici... bon, voilà, par exemple, alors là, je passe plus loin dans le temps, mais ce petit ouvrage d'André Bazana, Salvatore Clement et Yves Montmessin, Salvatore Clement, c'était un agent de police. Un agent de police à Oliva, hein, passionné d'archéologie, comme on en a trouvé beaucoup, hein, agent de police, marchand de chaussures, etc. Des aficionados, je ne sais pas comment, locaux, passionnés d'un peu tout, de leur région, de leur... Mais bon, il y en a qui... Alors lui, il nous a vraiment aidés, mais lui était déjà en rapport avec les archéologues valenciens. D'autres... oui, ben là, c'est mon premier contact. Là aussi, pour moi, c'est un peu émouvant. C'était un professeur de dessin à Benicarlo, qui habitait à Alcalá de Xivert. Et qui nous a... Alors, j'ai mis une publication qu'il a faite en 69 dans les Archivos de Prehistoria Levantina, où il repérait des sites sans faire autre chose, finalement, que donner des dessins. Il était professeur de dessin. Dessin d'un site, c'est le Tormasal, où on n'a jamais travaillé. Des céramiques qui, de toute évidence, sont des céramiques médiévales, hein, trouvées sur ce site, au moins en partie. Hein, les anses torsadées, les cordons, les céramiques à cordons. Bon, ça, c'est un site que on n'a pas... j'y suis pas retourné. Je suis allé avec lui en 68 ou 69, probablement, ou 70, après 70. Là, j'ai pas de carnet qui permettrait de retrouver ça. Mais là aussi, c'est tout ce réseau, enfin, ce très grand nombre de gens qui nous ont apporté beaucoup d'aide. Alors, l'un des plus... de ceux que... voilà, une céramique qui nous avait été qui a été trouvée au château d'Almenara. C'était des fouilles personnelles et spontanées par José María Doñate, qui était archiviste à Villarreal et qui avait fait... C'est une céramique fatimide, c'est un petit bol, une petite coupe fatimide trouvée dans les des zones on avait jeté probablement des morceaux, des céramiques. Il en avait plusieurs. Il avait des céramiques califales aussi. Puis il y avait ça qui est une céramique de fatimide du 11e ou du 12e siècle. Ça c'est autre chose. Oui, et ça c'est notre site, enfin un site qui pour moi a une très grande importance sentimentale, c'est le Monte Moliette. Un site sur lequel je reviendrai un petit peu, on voit les restes de ce très grand village le long d'une crête qui n'avait jamais été identifié et qui nous a été apporté, si on peut dire, ou proposé par Norberto Mesado, qui était directeur d'un petit musée à Buriana, qui avait fondé lui-même ce musée, et c'est lui qui nous a amené sur ce site en nous l'identifiant comme probablement médiéval, puisqu'il ne pouvait pas être à ses yeux autre chose, et effectivement, il était médiéval, mais
C'est un site qui apparaît dans les textes de Cavanilles, mais jamais personne ne nous l'aurait, on n'aurait jamais eu l'idée d'aller le chercher là-haut. Donc, on a eu tout un réseau de gens qui nous ont aidés. Alors, ça, j'ai mis combien de temps là déjà? Qu'est-ce qui me reste comme temps? 10-15 minutes, bon, ça doit à peu près aller. Alors, dans l'évolution qui a suivi, là, je passe du un peu personnel à quelque chose qui concerne, je pense, davantage la CASA. Bon, on a eu l'appui de la CASA pendant toute cette époque. Les financements, je ne saurais pas toujours bien dire, parce qu'on avait aussi d'autres financements qui nous venaient de Lyon et des formations qui s'étaient créées à Lyon à partir de 73-74, puisque moi j'étais passé de Toulouse à Lyon. À Lyon, il s'est créé une équipe CNRS qui était l'ERA 525, qui a été créée par des professeurs de Lyon, en particulier Nikita Eliseff et Gilbert Dagron, qui était à ce moment-là à Lyon, et qui était une équipe d'archéologie et d'histoire médiévale, assez orientée vers l'Orient, vu ce qu'il avait créé, et à laquelle on a participé avec André Bazana. Et puis, ensuite, l'évolution lyonnaise, je suis bien obligé de le dire, parce que ça nous a apporté des financements. En 1900, cette ERA 525 s'est associée avec Jean-Marie Peset et des gens de l'EHESS pour constituer ce qu'on a appelé ensuite le SIAM, dans un premier temps, je crois, l'URA 1000 SIAM, il faudrait peut-être distinguer jusqu'à un certain point, mais qui nous a apporté des financements. Et je ne sais pas bien si dans cette période, on a eu des financements de la CASA, mais on était en rapport avec la CASA, comme moi, ancien membre. André Bazana a été 2 ans à la CASA, 2-3 ans, en 78, 79 et 80. Après quoi, il est entré au CNRS et tout ça, ça lui a donné beaucoup de disponibilité. Et en 78, on a eu la chance d'être tous les deux. Moi, j'ai fait une troisième année de CASA et lui était à la CASA. Donc, on a pu travailler ensemble, en particulier dans la région valencienne. Parce que moi, je n'ai jamais travaillé beaucoup en dehors de Valence. Alors, il y a eu cette évolution lyonnaise articulée jusqu'à un certain point avec l'appui qu'on recevait de la CASA. Je crois que je dois dire aussi, je ne voudrais pas trop parler de moi, mais que le livre que j'ai publié en 1976, qui s'intitulait « Al-Andalus, structure anthropologique » en espagnol, d'une société islamique en Occident, qui a eu un certain écho, en positif ou en négatif. En positif plutôt chez les médiévistes, en négatif et quelquefois très négatif chez les arabisants. Et en particulier, c'est une arabisante connue à l'époque qui avait dit qu'avec Miquel Barcelot, qui a fait publier mon livre à Barcelone, qui a été d'abord publié donc en espagnol à Barcelone, et ça n'aurait pas facilement pu être publié à Madrid à cette époque, une arabisante espagnole avait dit qu'avec Miquel Barcelot, nous voulions transformer la refinada civilisation andalousie en un adouar bereber. Donc, y a eu une résistance assez forte à ce livre chez un certain nombre d'arabisans, une acceptation. Et un arabisant à cette époque, un jeune arabisant de ma génération, m'avait écrit en me félicitant du livre. Ce livre, c'est très bien, je ne te ferai pas de compte-rendu parce que Al-Andalus ne prend pas de compte-rendu d'ouvrage et d'autre part, les arabisans espagnols s'aimaient Echarian Encima. Donc, il y avait tout un contexte qui faisait que, en bien ou en mal, ce livre était relativement connu et ça m'a certainement aidé. Il n'avait rien à voir avec l'archéologie, mais je pense que ça a favorisé une certaine notoriété qui fait que ça nous a aidé aussi, je crois, du point de vue archéologique. Alors, du point de vue archéologique, le fait décisif, je crois, je l'ai déjà un peu dit, je crois que ça a quand même été la disponibilité croissante d'André Bazana. Pensionnaire à la CASA en 78-80, en poste au CNRS à Lyon, rattaché à la,
formation lyonnaise en 80, à partir de 80, et directeur scientifique de l'Antiquité du Moyen-Âge à la CASA. Et en même temps, dans le même mouvement, Didier Ozanam, directeur de la CASA, qui était conscient de l'intérêt que ça pouvait présenter pour la CASA de développer ses activités archéologiques islamiques, a obtenu la création d'une formation CNRS CASA en 1985, dont il était lui-même directeur. Et tout ça a fait qu'il y a eu un intérêt croissant pour ces activités d'archéologie, d'une archéologie, disons, un peu différente de l'archéologie monumentale et urbaine qui avait été développée jusqu'alors, majoritairement. Dans la foulée, il y a eu le recrutement de nouveaux membres, Patrice Cressier, 84, non, c'est pas ça, puis Patrice Cressier, mais attends, tu n'as pas été nommé deux fois. Non, mais je veux bien parler de Marie-Christine Delecq, mais pour le moment, je voulais parler de toi. Ce que je voulais dire, c'est qu'ensuite, tu as été nommé au CNRS et rattaché à l'équipe CASA. Oui, donc tout ça, ça a créé un potentiel de travail qui n'était pas très facile à trouver autrement, dans d'autres circonstances. Puis, toi, tu as été détaché, tu as été directeur scientifique à la CASA, mais tout ça, c'est des choses qui se sont enchaînées, dont il est assez difficile, et là, j'ai souvent eu un peu de peine, à voir l'enchaînement de tout ça. Et on ne sait pas toujours très bien quelle a été la cause, quelle a été la conséquence. Hein, ça a été assez complexe, mais ça a entraîné une importance croissante de cette nouvelle, entre guillemets, archéologie musulmane à la CASA. Voilà, et puis les nominations d'autres membres dont je suis tout à fait conscient qu'il faut parler, et qui étaient François Amig, non, d'abord. Mais Marie-Christine Delecq, j'en parle. Hein, oui, mais le premier, c'est François Amig. C'est Marie-Christine. Bon, non, mais moi, alors, ça, c'est un peu un problème. C'est des évidences, quand on le sait. Ce n'est pas des évidences quand on doit le dire. Moi, je ne savais pas dans quel ordre avait été nommé, et c'est bien de le savoir, et c'est intéressant. Mais il faudrait un répertoire, il faudrait quelque chose que moi, je n'ai pas. Et puis, Philippe Sénac. Jean Passini, c'est un peu différent, puisqu'il n'était pas recruté pour faire de l'archéologie musulmane. François Amig. Donc une série de nominations à la CASA qui ont eu beaucoup d'importance et qui ont fait que cette équipe créée en 85 à la CASA, par la volonté, je suppose, parce que là je ne sais pas exactement comment ça s'est fait, puisque moi je n'étais pas impliqué, j'étais à Lyon, on a vu à la CASA que, c'est Didier Ozanam je pense, qui a vu que c'était intéressant de développer ça et qui a fait tout ce qu'il fallait pour le développer. Mais là il y a tout un enchaînement de choses qui ne sont pas scientifiques, si je peux dire, qui sont administratives, et qu'on a besoin de comprendre un peu pour voir comment les choses sont organisées. Comment tout ça a pris? Et là, évidemment, je ne mentionnerai pas tout, ce n'est pas possible, mais comment les choses sont organisées? Je trouve que c'est intéressant de prendre l'exemple des fouilles de Saltès, organisées par... Saltès, si j'ai bien compris, parce que là, je ne sais pas tout non plus, il y a eu, à partir de 80, des... travaux auxquels tu as sûrement participé, de géophysique à Saltès. Ah oui, Kermorvan, oui. À Pau-Poncic. Et puis, il y a eu ensuite la récupération, je ne sais pas comment il faut dire, Bazana s'y est intéressé, oui. Avec toi. Mais il y a Juan Abedia aussi. Pardon ? Juan Abedia aussi. Oui. Bon. Alors, ce que je voulais dire, parce que je n'ai pas tout le développement, mais du point de vue de l'archéologie musulmane, de l'archéologie islamique, il y a eu un ouvrage que vous avez publié avec André en 93... vous avez publié en 89... un ouvrage pas très gros, publié par la CASA, et c'est ça qui m'intéresse de dire. Ensuite, il y a eu des ouvrages en 93 et 94, publiés par la CASA et Huelva, et le musée de Huelva, ou la Diputación. Bon.
93-94. Puis il y a eu, enfin moi c'est ce que j'ai noté, il y a eu en 2005 un ouvrage publié par la Junta de Andalucía, et puis en 2009 deux ouvrages publiés par les Belges. Donc, ah bon, mais alors, moi je le sais, toi tu le sais pas, si, je veux dire, on le sait tous les deux. Non, ce que je veux dire, ce qui m'intéresse de montrer, je ne veux pas faire l'histoire des fouilles de saltesse, ce que je veux montrer, c'est que là, on a un bon exemple d'amplification progressive du passage du très local CASA à une collaboration avec le musée de Huelva, avec la province et avec la région, et de la sortie un peu vers l'international, vers un certain international, avec les Belges et avec Johnny de Mulmeister, qui avait participé aux fouilles d'André. Voilà, bon, là je trouve qu'il y a quelque chose qu'on peut saisir d'une espèce d'amplification disons de la communication de ce qui avait été fait à Saltes. C'est ça que je voulais montrer. Alors, il me reste quoi, 3 minutes ou 5, je ne sais pas. Alors, c'est donc là qu'apparaît ce problème qui était un peu ce dont on nous demandait un peu de parler, enfin, ce dont, il me semble, on souhaitait qu'on parle, de la coopération avec des personnalités ou des institutions espagnoles, ou coopération plus large avec d'autres pays. Bon, dans ce cas, c'est la participation d'un chercheur belge qui fait qu'il y a une intervention et qui se concrétise par des publications en Belgique. Bon, il y aurait sans doute beaucoup d'autres choses que moi je ne vois pas toujours très bien. Hein, et il faudrait pouvoir démêler dans ce qui se passe après, dans les années 80-90, il faudrait pouvoir démêler ce qui est l'action propre de la CASA, avec des publications, avec des séminaires, avec des participations à des colloques. Bon, là aussi, je note, il y a eu beaucoup de publications, j'en note dans l'ordre chronologique une espèce de manifeste d'archéologie extensive qu'on avait publié en 88 avec Patrice et avec André sur les châteaux, et qui a eu, je crois, suscité un certain intérêt, qui a été publié par la CASA. Il y a eu, j'ai noté en deuxième, mais il y a beaucoup d'autres choses, mais le livre, ou le colloque André Bazana, Marie-Christine Delegue sur l'ethno-archéologie méditerranéenne, en 95. Alors je ne sais pas de quand la publication est de 95. Je ne sais pas de quand est le séminaire, enfin le colloque ou la réunion. J'ai noté, c'est dans des ordres très différents, mais comme il y a énormément de choses, je ne sais pas toujours très bien dans quel sens les prendre. Le beau livre qui est devenu un peu un classique. Je vais arrêter, hein. De publier donc sous ta direction, à ton initiative, sur la jeunesse de la ville islamique, hein, qui fait apparaître à la fois des historiens, des archéologues de diverses nationalités, et paru en 98, je ne sais plus quelle est la date, parce qu'il faudrait toujours donner la date de la réunion et la date de la publication. Et puis, j'ai mis en quatrième lieu, les publications, alors qui je crois sont assez importantes quand même et qui témoignent de formes de collaboration avec des chercheurs espagnols. J'en retiens deux, il y en a probablement d'autres que je ne connais pas forcément. La publication des céramiques esgraphiées de Murcie réalisées par André Bazana avec Julio Navarro sur ces céramiques de Murcie, qui sont un type très particulier, qui font connaître pour la première fois, je crois quand même, un type très particulier de céramique du XIIe-XIIIe siècle. Très particulières parce qu'elles ont des figurations humaines. Et puis, le livre publié alors à ton initiative avec Sonia Gutiérrez, on lui a fait une préface en commun en 96 sur des prospections. Alors là, on est vraiment dans la nouvelle archéologie, si on peut dire, dans cette nouvelle archéologie, prospection à Murcie. Alors, il faudrait parler des questions de financement, des moyens comme le fait qu'André Humbert, qui a été membre de la CASA, a participé beaucoup à des prospections aériennes en archéologie. Il faudrait parler du fait que tout ça,
J'aurais dû en parler, mais je ne peux pas parler de tout. Ce fait, dans un contexte espagnol où il y a eu un certain volontarisme, avec Juan Sosaya en particulier, pour importer cette archéologie et l'étude des céramiques musulmanes en Espagne, avec le congrès d'archéologie de 81, le deuxième congrès d'archéologie d'études de la céramique méditerranéenne en 81. C'est Sosaya qui l'a voulu à Madrid, et c'est le témoignage d'une... À Tolède. Oui. Sosaya à Madrid, qui l'a voulu à Tolède. Donc en 81, j'aurais voulu insister un peu sur un colloque qui me paraît très intéressant et qui est révélateur de la façon dont les choses s'articulent à ce moment-là, qui est le colloque organisé par Rosselio Bordoy et avec un peu dans son ombre, si on peut dire, c'était pas facile pour lui d'être dans l'ombre de Miquel Barceló, qui a eu lieu à Majorque, à Palma, en 85, qui est très intéressant, je crois, son analyse serait très intéressante, j'ai pas le temps de la faire. Je vais être obligé de m'arrêter, je termine. Bon, je vais passer, donc, ça c'est des céramiques du Monte Molliette que je voulais donner tout à l'heure, je n'ai pas eu le temps de donner, et c'est intéressant parce que j'ai mis en parallèle des céramiques trouvées par Sonia Gutiérrez au Tolmo de Minateda, et il y a des tas de problèmes là autour. Alors, pour dire que je pourrais conclure sur deux choses. La première, c'est que toutes ces années de recherche en archéologie, et je crois que toute recherche en archéologie laisse un peu un goût amer parce qu'on n'a pas pu aller assez loin. Ce Monte Molliette, qui pour moi est un site emblématique, c'est un échec. Ça a été une expérience passionnante, mais c'est un échec finalement parce qu'on n'a rien éclairci, on ne sait pas. C'est un site assez extraordinaire, mais dont on ne sait pas, on ne peut pas le dater finalement. On a une céramique très homogène, on ne sait pas si elle est du 8e, 9e, 10e siècle. C'est entre le romain et le musulman. Qu'est-ce que c'est? On n'en sait rien. Les fouilles de Sonia Gutiérrez au Tolmo de Minateda montrent des céramiques du même type, mais en pas très nombreuses. Qu'est-ce que c'est? On reste sur notre faim, si on peut dire. J'aurais voulu expliquer un peu l'échec aussi, je crois, final de Betera, mais alors, je ne veux pas terminer sur une note catastrophiste. Je termine sur deux pages d'un article publié par Patrice et par Antonio Vallejo, qui est quand même pour la première fois la mise en parallèle de deux très grands sites, disons, du plus haut niveau qu'on puisse trouver de sites princiers, hein, qui est la mise en parallèle de Medinat az-Zahra et du site de Sabra Mansouria, hein, deux sites qualifiens, deux sites de capitale princière. C'est la première fois qu'on étudie parallèlement ces deux sites. Bon, je crois qu'en matière de, non peut-être pas coopération, mais de quelque chose qui débouche sur ce qu'on pourrait appeler de l'international, on a dans une revue anglaise publié des travaux sur le Maghreb, et l'Espagne, comparant deux grands sites, donc revue anglaise, chercheurs français et espagnol. Je crois que on débouche sur un international qui n'est pas directement lié à un effort de la CASA. La CASA a participé à la construction de tout ça, mais je termine parce que j'ai déjà été trop long. Il me semble qu'il y a eu là un itinéraire que j'ai essayé de retracer en étant très conscient du fait que sur l'articulation avec les recherches espagnoles en particulier, il y aurait beaucoup plus à dire et comment les choses se sont faites. Mais moi, c'est un peu mon expérience personnelle. Après 86, j'ai plus tellement participé directement à des fouilles. Après 86, c'est les dernières fouilles que j'ai faites avec André au château d'Uxo. Je n'ai pas participé tout à fait directement. Voilà un peu ce que je...